Moi, c'est une ancienne candidate au Sénat. Moi, je connais comment il est difficile pour mesdames d'arriver à occuper instance de décision. Yo. Et moi, je connais tout comme avocate depuis près de 17 ans de carrière, que je connais dans le tribunal, mon appelé me chéri, je me dis mon nom de famille, ce n'est pas chéri, c'est Jean. Donc, je sais qu'il faut avoir un texte de loi, mais il faut que la réalité sociologique, là, tout, faut le moyen. Donc, moi-même, moi, je connais une bataille qui sont batailles juridiques. Et c'est une raison qui fait, dans l'avant-projet, ça. Moi, j'ai deux bails que je fais matin. Premièrement, comme nous avons dit dans le tribunal, afin que nul n'a prétexte de cause d'ignorance. Nous avons fait un petit temps pour nous dire côté question, pour nous faire modification, pour nous gagner une autre constitution, côté bail, ça a sorti. Donc, c'est important pour nous capable éclairer l'interne tout le monde. Comme moi, j'ai dit, la bonne foi est une présomption en droit, mais la mauvaise foi est un constat. Donc, l'homme de mauvaise foi, la personne peut trouver tous les arguments qui ne pas même camper sous rien pour décourager un travail. Et moi-même, comme femme, moi connais que l'homme prend responsabilité ou stigmatisé à deux niveaux. Premièrement, bon, ça, femme, ça vient faire là. Il va y avoir une famille, il va y avoir un mari, il va y avoir un style, il va y avoir ça. Et la deuxième chose, on t'impose, on veut t'imposer des choses. Quand tu ne veux pas, la femme, ça a autorité. Donc, il faut qu'on combatte, il faut qu'on goûte. Moi-même, moi, je dis, avant d'être un homme ou une femme, on est une personne. Et en tant que tel, nous devons avoir une possibilité depuis profil nous, depuis nous remplir les conditions pour nous arriver à occuper toute poste. Et moi-même, moi, je crois là-dedans. Donc, merci. Donc, journée aujourd'hui, hein, m'a fait un petit bien vite pour me dire comme ça que. Question pour gagner un comité pour élaborer un avant-projet pour faire une autre constitution pour le pays. À côté le sorti. Il est sorti depuis le mois de mars 2007. L'initiative, ça, c'est le président René Préval qui te prend l'initiative ça en 2007. 17 juillet 2007 encore, tu as gagné un rapport que Moïse Hector a fait sous la constitution. 18 février 2009, moi, ben, non, louis, non, c'est pour l'histoire. T'as gagné un rapport sur le déclenchement. Alors, 18 février 2009, là, c'est la création de la commission présidentielle dénommée Groupe de travail sur la Constitution GTC. Toujours, c'est avec président René Préval. 29 mars, alors, 19 juillet 2009, t'as gagné un rapport qui te baille sur le déclenchement du processus d'amendement de 2011. 29 mars 2017, te gen mise en place de yon commission spéciale sous amendement Constitution 87 lan, qui était composée de 9 membres de la Chambre des députés de la 50e législature. Et nous sommes fait un devoir pour nous rencontrer membres de la commission. Parce que c'est mon travail que le comité a fait. Le micro a un problème. Nous gagnons en juin et septembre 2019. Ça passe par l'intermittence, il faut régler ça pour venir. M'a continué. N'a dit qu'en juin 2019, projet A, pas de voté par la dernière session de la 50e législature. En mars 2019, il y a un rapport des États généraux sectoriels de la nation. 12 et 13 août 2020, il y a un forum multisectoriel que l'OPC a réalisé. Et puis 28 août 2020, le comité a mis en place. Mes amis, côté comité, ça a sorti pour le faire une nouvelle constitution. Nous avons un mandat tout et ma petit temps pour moi dire qui ça nous gagne dans mandat ça. Moi remettre nous décret ça à tout qui dit que dans l'article 2, dans l'article 1er, il est créé un comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution. Dans l'article 2, moi me pas traduire en créole, nous même avocat nous libère en Jean lié là pour ne pas mésinterpréter. Le comité a pour mandat de faire quoi? D'élaborer un projet de constitution permettant de, premièrement, préserver les acquis démocratiques et les aspirations au développement durable du peuple haïtien. Deuxièmement, garantir solennellement les droits fondamentaux de la personne humaine et exprimer
clairement les droits et devoirs du citoyen. Troisièmement, renforcer les mécanismes de l'état de droit. Quatrièmement, rationaliser et préciser la nature du régime politique. Cinquièmement, clarifier et rééquilibrer les pouvoirs de l'État dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Sixièmement, réaffirmer et consolider le caractère démocratique et républicain de l'État. Septièmement, harmoniser les compétences des collectivités territoriales et renforcer l'édifice institutionnel à l'échelle locale. Et huitièmement, prendre en compte l'évolution du contexte institutionnel, politique, économique, social et culturel du pays. Donc, le comité qui est composé de 5 personnes, 4 garçons, 1 femme, l'ILA pour lui aboutit à un travail qui a commencé depuis 2007. Okay. Maintenant, qui, à partir de toute méthodologie que nous avons utilisée, ça nous a fait des consultations par rapport. Premièrement, nous prenons connaissance de tout le travail qui est fait déjà. Yo. Et deuxièmement, nous faisons un devoir pour nous rencontrer les gens qui ont participé dans le travail. Ça, ça nous est capable de rencontrer. Et troisièmement, nous faisons une note de cadrage pour nous dire qui côté nous sortit. Nous faisons un travail pour nous voir qui point par rapport à mandat et qui point qui est dans la Constitution 87 amendée qui a un rapport avec le mandat ça nous gagne. Donc, c'est à partir de tout considération ça que nous sortis avant projet, ça s'appelle un avant projet. Nous ne sommes pas en train d'écrire une constitution pour la population. Nous permettre que tout ça qui est fait aboutit et puis nous soumettre libre nous pour ensemble pour nous écrire une nouvelle constitution. Mais démarche comme ça. Donc aujourd'hui nous rencontrons le secteur féminin, nous pas dit c'est toute femme qui là mais c'est représentant presque toute femme et à partir de tout département. Et nous dit merci à la ministre de la femme et droit féminin qui a fait le nécessaire pour permettre que coordonnatrice, ancienne collègue, moi, puisque je suis ancienne directrice au ministère de la condition féminine et ancienne chef de cabinet. Donc, je salue toute ancienne collègue qui là, qui sorti dans 10 départements. Pour nous être capables de gagner 3 députés dans la 50e législature, là. Moi, je travaille dans le conseil électoral. Là, dans le cabinet représentante secteur féminin qui a fait un gros travail, Madame Joachim, Marie-France Joachim. Eh bien, nous avons déplacé Mal Savanet pour nous dire avec Gerda Benjamin, rencontrer avec nos tables dans la zone. Ce n'est pas si je mette non avant de élu femme. Ce n'est pas seulement une question de loi, mais c'est une question de mobiliser les gens. Deuxièmement, nous allons joindre Jérémy. Nal Petitel, Nal Jérémy, Nal Cheche Gladys, qui est ancienne coordonnatrice départementale condition femme, qui était candidate tout, Nal mobiliser pour permettre que dans le deuxième tour, là, que Mounsa ou te capacé. Et nous, à l'école, en grand bois, Nal Cheche Rival Raymond, que nous avons rencontré dans le travail ça, parce que tu es dans la 50e législature, tu était dans la commission qui travaille sur les réformes dans tout. Donc nous avons 3 grandes femmes, ça, et aussi un coumé. Qui fait que nous avons 3 femmes qui étaient députées et nous avons une femme qui était sénateur. Je vous dis aujourd'hui, messieurs, dames et mesdames, yo, même si nous avons un garçon là, mais c'est le secteur femme qui a la priorité. Nous avons avant projet constitution ça. Nous avons l'article 17.1. Nous avons parce que nous avons encore cette constitution. La constitution a amendé de 427. Nous n'avons pas de quota. Article 17.1 qui n'a pas de mandat. Il y a au moins 30% de places qui sont réservées à mesdames et il y a plus de femmes dans l'ancienne législature. Nous n'avons pas de quoi de quota. Plus de plus travail, violence dans la question de l'élection, plus de présents, c'est moins de femmes qui ont une possibilité pour être élues. C'est un constat. Et deuxièmement, depuis ces femmes qui sont candidats, ils ont sorti toute bagaille pour empêcher les femmes d'avancer. Et pour empêcher la communauté en société pour les capables de voter pour les femmes. Donc, c'est ça qui fait aller plus loin, aller vers la parité. Parce que le ministre a expliqué déjà, équité, égalité, nous déjà avons une politique, égalité homme-femme déjà
en dans pays que l'état haïtien sien que l'engagé en dans convention CEDEF en dans convention BLM d'Opara en dans pacte international relatif aux droits civils et politiques pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels mettez bien d'avoir un cadre légal mais en dans maman loi pays a nous proposer parité en lieu et place de quota si nous prévoit 50-50 n'a pas goumen pour nous joindre parce que pas oublier tout ça pour nous joindre c'est dans goumen pour joindre et de manière particulière mesdames.